Bonjour à tous, bonjour Romain, bonjour Céline. Bonjour. Bonjour Charlotte. Nous sommes donc dans notre émission de Vitrine Média qui s'appelle le Club Excellence. Et donc c'est une émission qui est une émission de coaching, de petits tips, de bons conseils sur des thèmes précis qu'on aborde un petit peu, c'est à peu près tous les mois. Hein. Et donc aujourd'hui Céline Dessieux, vous êtes directrice adjointe de l'École supérieure de l'immobilier, l'ESI. Oui. Merci d'être là, on va aborder un sujet ensemble avec Romain Cartier que... beaucoup connaissent déjà, qui est le sujet du recrutement. Je crois qu'on a quand même un bon morceau qui nous attend. Voilà, c'est vrai qu'on est quand même face à une problématique que beaucoup de patrons d'agences immobilières rencontrent, qui est cette facilité à... Enfin, du moins cette problématique, mais j'aimerais plutôt la tourner en positive, à recruter des talents qui restent aussi au long terme dans l'agence. Donc on a à la fois cette possibilité de recevoir et d'accueillir des nouveaux talents dans l'équipe, mais aussi de les garder. Romain, en tant qu'expert dans ce milieu, comment est-ce que tu peux nous donner ton avis sur cette façon de recruter que tu connais au quotidien? Alors Charlotte, le recrutement déjà c'est un vaste sujet, et pas qu'en immobilier, parce que toutes les entreprises aujourd'hui sont concernées par le recrutement, et donc il faut arriver à se positionner justement en référent. Alors moi en tant que formateur justement ça me parle encore plus, puisque moi l'AFNEM c'est toute ma vie professionnelle maintenant, et puis particulièrement l'ESI avec lequel je... collaborent depuis une douzaine d'années, je crois. On a mis en place vraiment les structures de l'ESI, on a mis en place et on propose aux professionnels de l'immobilier d'apporter vraiment des éléments forts en matière justement de qualification. Donc par rapport à ça, c'est important aussi pour l'agent immobilier de communiquer sur le fait que ses collaborateurs sont régulièrement formés par des équipes qui deviennent des experts ensuite, parce que tous les sujets de formation, et ça Céline pourra en parler bien mieux que moi, tous les sujets sont abordés. Il y a un catalogue qui représente plus de 500 thèmes de formation. Aujourd'hui, la formation, elle se fait sous différentes formes, sous toutes les formes possibles, sous tous les formats possibles. Donc, l'idée, c'est déjà de démocratiser finalement la formation, d'en faire une force pour l'entreprise, pour que du coup, ça devienne un levier en matière de recrutement. Très bien. Et donc, Céline, du coup, vous proposez donc différents formats. Je crois savoir, on en parlait tout à l'heure, des plusieurs antennes, évidemment, plusieurs choses que vous mettez à disposition des professionnels de l'immobilier, des patrons et aussi des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'aventure de l'immobilier. Aujourd'hui, quels sont vos trois principaux axes de formation que vous souhaitez mettre en lumière? Alors, l'ESI accompagne aujourd'hui l'entreprise immobilière dans la totalité de la vie de son collaborateur, c'est-à-dire du recrutement jusqu'à l'accompagnement l'amélioration des connaissances de ses collaborateurs tout au long de sa vie. Donc déjà dans la première partie qui est la partie du recrutement, l'ESI forme des jeunes à la sortie du bac, donc du BTS jusqu'au master, sur 19 cursus immobiliers aujourd'hui, tous en alternance sur un schéma classique de formation initiale. Donc ça vraiment on forme à l'ensemble des métiers, en plus avec des thématiques spécialisée. Alors on va avoir le BTS qui au départ va être assez généraliste, puis dans les licences on va former en fonction des métiers les étudiants. Et puis on peut pousser jusqu'au master pour avoir une professionnalisation encore plus accrue. Spécialité. Exactement. Mmh. Ensuite on a pour accompagner un public qui est un public de reconversion professionnelle, parce que l'immobilier est un gros pourvoyeur de reconversion professionnelle, on a aujourd'hui sur l'ensemble des territoires de France ce qu'on appelle l'école des métiers qui s'appuie sur les CQP, les certificats de qualification professionnelle, et qui va permettre à ces personnes en reconversion professionnelle de suivre une formation agréée par la branche et qui va en plus accompagner en alternance. Ça va être financé en plus par le Pôle emploi. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant, et ça va permettre en région aux agences immobilières, aux structures immobilières d'avoir des gens sur place qu'ils vont pouvoir recruter. Et puis donc de garder, pardon je vous coupe, mais donc du coup de garder et de pouvoir suivre au quotidien à la fois dans l'agence et aussi en formation. Exactement. C'est vrai qu'on est sur des métiers de terrain et que de faire ses études tout en l'appliquant au quotidien, c'est aujourd'hui totalement indispensable. Et puis dans la vie donc du professionnel, et ben comme c'est des métiers qui sont en perpétuelle évolution législative, il faut une formation continue au quotidien. Donc aujourd'hui, l'ESI accompagne les professionnels sur
toutes les thématiques possibles, puisqu'on a plus de 500 thématiques aujourd'hui dans notre catalogue, pour acquérir les connaissances, pour les développer, pour les multiplier. Donc, on est aussi bien capable de former aujourd'hui en présentiel sur le terrain, c'est-à-dire à côté de chez vous, dans nos antennes FNAIM, et puis on est aussi capable, et forcément, cette période, cette dernière période nous a en plus obligés à le développer, on est aussi capable de former de manière beaucoup plus digitalisée, avec du live ou avec des formations asynchrones. Mais je crois, Romain, on en parlait juste avant, que effectivement, le SI propose des formations à la fois en visio et en présentiel. Mmh. Et il y a différentes unités en France. Toi qui es formateur aussi et qui travaille avec la FNAIM et le SI, tu as connaissance de ces différentes unités en France où on peut avoir des formations en présentiel. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, même pour les formateurs, la richesse, c'est d'aller à la rencontre des adhérents et puis d'aller partager avec eux justement une matière toute une journée. C'est des retours d'expérience de chacun. D'ailleurs, on le voit, ce sont des journées qui sont très motivantes. À la fin, les participants, je l'espère, ont envie de mettre en application ce qu'on a pu voir dans la journée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ESI va mettre en place tout au long de l'année, effectivement, beaucoup d'actions. Des actions présentielles, classiques, en région, dans des villes. Et puis, ponctuellement, on a aussi la proposition des universités des formations et qui regroupe à ce moment-là plus d'une centaine, plus de jusqu'à 300 personnes dans certaines régions. Je pense à l'Isère, je pense au sud de la France, où pendant 3 jours, 2 jours ou sur une journée, on va avoir plusieurs thèmes de formation proposés la même journée, avec donc des candidats qui vont s'inscrire. Voilà, il y a une possibilité aujourd'hui, il y a un panel proposé par le SI absolument complet qui vont permettre à chacun de se retrouver dans ce qui leur correspond le mieux. Donc certains vont préférer avoir une formation régulière simplement sur des formats d'une heure et quart, d'autres à la demi-journée, et d'autres vont privilégier justement ce fameux présentiel pour aller à la rencontre, pour partager, parce que c'est pas simplement écouter un formateur, c'est partager aussi les expériences qu'on vit avec ses collègues, avec ses confrères. Et nous, on le voit en tant que formateur, pendant les pauses, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de questions, et ils se rendent compte finalement que sur un marché identique, c'est-à-dire sur un secteur donné, on n'a pas toujours les mêmes méthode. Et la force de ces formations, c'est bien ça, c'est de donner aux participants un extrait un peu plus large qu'on pourrait trouver juste sur un support de cours. Et c'est ça la force, et je pense qu'on communique beaucoup par rapport à ça, et c'est ce qui fait aussi une des valeurs de l'ESI justement. Et donc ça nous permet véritablement, là, clairement, de répondre à une question et, du patron d'agence qui a ce besoin de pouvoir, attirer en fait le recrutement dans son agence, et donc d'attirer des nouveaux talents et de pouvoir le garder, c'est justement de pouvoir proposer et d'accepter aussi que son alternant et cette personne qui est en reconversion puisse passer un petit peu de temps aussi en formation en parallèle, ne pas être à 100% sur le terrain et dans l'agence, mais d'accéder à ces formations pour être plus performant plus tard. Ça peut être, Céline... C'est une richesse. Enfin, voilà. Aujourd'hui, c'est un axe dans le recrutement et dans le fait de garder ses collaborateurs. Oui, c'est une évidence. Ça doit passer par la formation. On ne peut pas laisser un collaborateur tout seul. Déjà, la formation, comme le disait Romain, c'est l'échange. C'est-à-dire, c'est l'échange avec les participants qu'on va avoir autour de nous, avec le formateur. Et ça, c'est indispensable, de pouvoir partager son expérience, de pouvoir partager sa connaissance. Et puis le savoir. Aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous arrivent en permanence. Si on n'arrive pas à cibler un minimum sur ce dont on a besoin par la formation, malheureusement, on risque de se noyer. Donc, au patron d'agence, d'aller définir un plan de formation pour ses collaborateurs, pour être capable de dire, voilà, aujourd'hui, dans votre métier, dans notre secteur, on a besoin de ça et ça et ça comme formation. Ça peut être des choses aussi variées que reprendre des bases. Des fois, on a oublié des bases d'un métier qu'on connaît trop bien. Ça peut être se former sur une nouvelle loi qui sort. Loi climat et résilience qui sort en ce moment impacte la totalité des métiers de l'immobilier, et c'est une évidence que la formation ne va pas être d'une journée, la formation elle va être au continu pour les prochaines années à venir. Le SI est en train d'armer ses différents modules de formation pour que tout le monde puisse y accéder, et sous tous les formats possibles. C'est indispensable. Donc aujourd'hui, le chef d'entreprise qui n'a pas compris que d'accompagner son collaborateur dans son évolution, et je parle de l'immobilier mais je pourrais parler de plein d'autres métiers, d'accompagner le collaborateur dans son évolution pour sa montée en compétences, c'est évident qu'il risque de perdre son collaborateur
collaborateurs au profit de la concurrence. Oui, absolument, je vois bien. Et puis, il y a une corrélation extrêmement forte hein, entre, justement, les compétences des collaborateurs, donc le chiffre d'affaires qui sera produit, et la formation. C'est-à-dire que plus je suis formé, finalement, plus je suis armé, plus j'ai confiance en moi, parce que j'ai le bon discours, j'ai la culture, justement, par rapport à toutes les informations que j'ai pu obtenir. Et donc, ça va se traduire avec des clients qui comprennent qu'en face d'eux, ils ont des gens qui sont structurés, avec un langage, avec des choses qui sont pertinentes. Et quand on pose une question, on en parlait tout à l'heure, d'ordre fiscal, par exemple, sur une plus-value, hein, ça c'est une question légitime qu'un propriétaire bailleur peut se poser quand il vend son appartement qu'il loue depuis 2 ans. Il n'a pas forcément le réflexe de se dire « oui, j'ai de la plus-value à payer, mais cette plus-value, ok, elle est de combien au bout de 12 ans ?» Eh ben, tu vois, Charlotte, ça, c'est des choses extrêmement basiques. Et aujourd'hui, les gens qui vont régulièrement en formation, en deux clics, vont pouvoir répondre aux clients. Et c'est ça, aujourd'hui, qui fait la force du professionnel de l'immobilier. C'est d'être cet accompagnant général avec cette plus-value que le particulier n'a pas. Et c'est normal, c'est pas son métier. Donc, nous, on est là, justement, pour répondre à tous ces besoins. Mais il y a plus de place à l'improvisation, aujourd'hui. Il y a plus de place pour l'amateurisme. L'ouvreur de porte, c'est terminé. Alors, c'est encore l'image qu'on peut avoir de ce métier, parce que moi je le dis à chaque formation, démontrons que finalement ce métier c'est pas juste prendre une clé au tableau, ouvrir une porte et encaisser des honoraires, c'est bien plus que ça, et ça il faut que les clients le sachent. Donc on l'illustre avec l'image de l'iceberg par exemple pour raconter tout ça. On raconte aux adhérents, moi je mets toujours en avant la FNIM, les extraits par exemple du président quand il donne son discours, sa conférence de presse, qui rappelle les chiffres, parce que je me rends compte que beaucoup de professionnels ne savent pas aujourd'hui le nombre de transactions qu'il y a en France, et quand on est transactionnaire on doit le savoir, parce que c'est pas juste pour faire bien devant les gens, c'est simplement pour sensibiliser aussi les clients sur le fait que ce marché il est composé de transactions réalisées essentiellement par des professionnels, mais qu'en France la particularité qu'on a, et ça c'est très français, c'est qu'on a une majorité de clients qui va essayer de faire tout seul dans un premier temps, et qui finalement va rapidement comprendre qu'il se heurte à des difficultés d'ordre technique, fiscal, environnemental, et que le professionnel va répondre à ses besoins. Mais tout ça, j'aime le répéter aux adhérents, parce que pour eux, c'est quelque chose d'acquis, sauf que les clients ne le savent pas. Donc voilà, la formation, c'est aussi sensibiliser nos confrères au quotidien sur les besoins de nos clients, ce qu'on doit raconter, parce qu'on va donner une parole qui doit ensuite s'étaler partout, et c'est ça la force aujourd'hui, c'est d'avoir un bon discours, on doit être rassurant, et puis on doit encore une fois répondre aux besoins d'ordre fiscal ou juridique, et puis d'être un bon communicant, de savoir utiliser la communication. Voilà, toutes ces formations, elles sont dans le catalogue de l'ESI, et d'ailleurs en matière de recrutement, puisqu'on parlait de recrutement, j'ai des confrères formateurs qui sont spécialisés justement sur les méthodes d'approche, recrutement, fidélisation des équipes. Et pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à regarder le catalogue par rapport à ce sujet, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes, et là aussi on peut répondre aux besoins. Oui, et puis en plus, c'est vrai que tout ce type d'informations chiffrées, tu parlais des transactions, du nombre de transactions réalisées ces 3 dernières années, qui finalement est en belle évolution positive, ça peut être aussi des informations qui peuvent rassurer le client final, vendeur, acheteur, ça va aussi dans son sens, parmi d'autres informations qu'on peut citer, ça permet aussi d'apporter un certain niveau de professionnalisme et d'information qu'on apporte au client. Oui, et les formations proposées par l'ESI sont extrêmement qualifiantes. Tous les gens qui interviennent ont un parcours, ont un cursus, et ça dénote vraiment beaucoup d'engagement de leur part, et ça montre aux adhérents que nous allons voir en région, qu'on est là pas simplement pour leur réciter un slide, mais qu'on est là vraiment pour leur transmettre. Nous aussi, la plupart des formateurs sont des praticiens, et donc ils ont un retour d'expérience. C'est ça qui fait la richesse aujourd'hui de l'ESI, c'est cette complémentarité par rapport aux axes qui sont développés, et puis par rapport à l'expertise des formateurs. Ça, c'est très important. Parce qu'on est là aussi pour nous-mêmes rassurer les adhérents, pour que derrière leur parole, elle soit accessible de la part des clients. C'est un métier qui reste technique, qui peut rester un peu complexe, et il faut arriver à dédramatiser tout ça et à rendre l'accès à l'information immobilière simple, mais que le client comprenne que essayer aujourd'hui d'actionner les choses tout seul, c'est compliqué. Gérer un bien, ça paraît simple, mais on se rend compte qu'on est face à plein de difficultés. Vendre un bien, il n'y a rien de plus simple que de passer une annonce sur un site gratuit. Par contre, qualifier un acheteur, ça c'est autre chose. Obtenir des visites, c'est facile. Avoir un acheteur qualifié, c'est autre chose. Donc voilà, tout ça, c'est le rôle de la formation, de sensibiliser les adhérents à tout ça pour que derrière, la bonne parole soit donnée aux clients. Céline, je me posais une question. Est-ce que vous avez senti une poussée, du moins un intérêt qui aurait été
qui aurait explosé ces dernières années avec toutes ces émissions que l'on voit à la télé et ces sujets autour de l'immobilier où beaucoup de gens se disent, on en parlait tout à l'heure, ça a l'air génial, j'ai aussi envie d'être agent immobilier. C'est évident que comme tous les métiers qui sont exposés dans les médias, comme on le voit, comme on l'a vu avec la cuisine, la restauration, l'immobilier, grâce à quelques vedettes de télévision, a forcément apporté un attrait sur la jeunesse, mais aussi sur les reconversions professionnelles. Et on a vu, en effet, surtout à la sortie du bac, beaucoup de jeunes arriver avec cette envie de faire Stéphane Plaza. C'est vrai qu'il faut qu'ils soient conscients que c'est pas juste de la télé et que c'est énormément de travail pour en arriver là. Que derrière d'aller chercher le client, de le conseiller correctement, de développer une relation avec lui, j'entendais Romain qui disait l'autre fois que 12 ans après une cliente l'avait rappelé et parce qu'il l'appelait régulièrement et qu'enfin elle voulait bien vendre son bien. On peut pas s'imaginer que c'est juste du bon contact. Il faut se rendre compte que c'est énormément de travail. Mais qu'on ne peut le faire qu'à la condition, en effet, que dès le départ, on ait eu toute la formation nécessaire. Parce qu'il y a énormément de moyens de développer ces métiers. Donc, en plus, aujourd'hui, ces métiers sont confrontés, comme les autres, à l'ubérisation. Donc, forcément, tout le monde pense qu'il est capable de le faire, que c'est à sa portée. Mais c'est faux. C'est des métiers extrêmement techniques, c'est des métiers qui prennent beaucoup de temps, c'est des métiers extrêmement engageants. On parle beaucoup de la transaction, mais il ne faut pas oublier les deux autres métiers de l'agent immobilier, qui sont la gestion locative et le syndic de copropriété, qui sont des métiers passionnants. Aujourd'hui, quand on se retrouve à gérer un immeuble et qu'on gère à la fois et l'humain, et le technique, et le bâtiment, et énormément de choses, c'est des métiers passionnants où on peut avoir en plus des carrières très intéressantes. Donc aujourd'hui, ces métiers qui ont été mis en valeur un petit peu manquent quand même encore aujourd'hui d'ambassadeurs pour les mettre sur le devant de la scène, pour montrer les carrières qui sont possibles, pour montrer toutes les interactions qu'on a avec les différentes structures autour, les différentes sociétés, les particuliers, tout ce qui tourne autour de la vie d'un immeuble. Et un immeuble de particulier, un immeuble de professionnel, un immeuble de commerce. Enfin, c'est quand même des métiers qui sont très très larges, très très variés, sur lesquels on peut toucher énormément de public, énormément de prestataires. Donc on a vraiment quelque chose qui est riche. Et je pense qu'aujourd'hui, cette profession qui est souvent décriée, parce que le particulier, elle a l'impression de la subir des fois, cette profession, elle manque en effet de ces ambassadeurs, comme peut l'être Romain, comme peut l'être Stéphane Plaza, d'ambassadeurs qui vont expliquer plus clairement quels sont les métiers, quels en sont l'intérêt, quelle plus-value, quelle valeur ajoutée elle apporte aux particuliers dans la gestion de son immeuble, dans les problématiques aujourd'hui de rénovation énergétique qui sont les problématiques de demain et qui nous concernent tous. Si on n'est pas accompagné par des professionnels immobiliers, on ne fera pas correctement. C'est indispensable. Donc cette richesse de ces métiers, elle peut répondre à beaucoup d'envies de plein de gens. Donc il manque cette mise en valeur, c'est évident, la transaction l'a fait. Il faut que le syndic, la copropriété le fasse, il faut que la gérance locative le fasse aussi, il faut qu'ils se mettent plus sur le devant de la scène. Il faut vraiment qu'on trouve les acteurs qui vont nous permettre de développer ces métiers et d'attirer, sans avoir juste cette vitrine de base qui est de se dire on est obligé de passer par eux. Non, derrière, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Merci beaucoup, Céline. Romain, est-ce que tu as quelque chose à... Non, je pense que c'est très important, effectivement, de mettre un peu de lumière, effectivement, sur tous les métiers de l'immobilier et pas que la transaction, parce que la transaction, c'est quelque chose qui attire, etc. Mais il y a tout, comme le dit Céline, aujourd'hui, on parle de, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments. C'est un sujet qui va nous animer, mais pendant des années. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur le début du projet. Et là, il y a évidemment tous les bâtiments, la plupart en tout cas des bâtiments vont être concernés par ça. Il y a une technicité qui est juste incroyable. Et derrière, ça renforce bien l'intérêt justement du professionnel de l'immobilier. Et les gens qui sont capables aujourd'hui de gérer ces copropriétés, de montrer au copropriétaire quel intérêt il a à rénover son bâtiment parce que ça va aussi donner de la valeur à son bien, même s'il y a un coût important à mettre en place. Enfin, tout ça est très, très technique et a besoin d'être mis en lumière. Je pense qu'aujourd'hui, c'est pareil pour les gestionnaires de biens locatifs. On ne se rend pas toujours compte, on a toujours cette image très abstraite finalement et assez facile de ce métier. Prenez les retours de certains propriétaires qui ont tenté d'essayer seuls. Regardez un petit peu la proportion d'échecs qu'il peut y avoir, la déception des gens et qui se retournent finalement vers un professionnel parce qu'ils disent « Ouais, j'ai besoin d'être aidé, j'ai besoin d'être accompagné parce que bah, ça ne se fait pas juste en claquant des doigts. » Donc de plus en plus... Le métier, pas
Bon, bah voilà, si, quand on vit l'expérience, on est les premiers justement à se rendre compte de tout ça. Mais l'idée, c'est de montrer tout ça aux autres personnes. Et moi, je dis toujours, communiquons un maximum, expliquons notre métier pour ne pas avoir à le justifier. Et je peux vous garantir que les honoraires, bah, de toute façon, quand ils sont mis en avant à travers ce savoir-faire, c'est plus du tout un problème. Au contraire, on va aller chercher la compétence. Moi, j'ai des confrères qui, aujourd'hui, m'expliquent qu'à aucun moment, ils négocient leurs honoraires parce que, par contre, ils affichent très clairement l'engagement qu'ils vont avoir avec leurs clients. Et aujourd'hui, les mandats qu'on propose dans le cadre d'une mise en vente sont remplis d'engagement parce que c'est ça que le client veut. Et qu'à un moment donné, si l'engagement n'est pas respecté, le client sera libre de reprendre justement son activité s'il le souhaite. Donc c'est ça aujourd'hui, on doit marquer de la compétence, on doit donner de la visibilité à tous les métiers pour que ceux qui ne sont pas encore concernés par le sujet se disent qu'un jour, s'ils en ont besoin, c'est forcément vers ce professionnel qu'il doit aller. Puis après, il faut travailler la visibilité de l'agence, la compétence des collaborateurs, mais ça, c'est de la com. Voilà. Donc je crois qu'on a tout ce qu'il faut entre les mains pour pouvoir former, reformer, ajuster le savoir-faire aussi. Et la formation, c'est permanent. Les acquis, voilà. C'est bien, c'est une chose, mais on remet à niveau, de toute façon, ses compétences chaque année parce qu'on apprend tous les jours. On apprend tous les jours. C'est obligatoire, il faut le rappeler. Les professionnels de l'immobilier ont l'obligation de se former. C'est fait pour protéger, en effet, et le professionnel, il est à jour. Et son client. On est sur 14 heures, c'est ça ? 14 heures par an. Oui. Pour renouveler sa carte professionnelle à la CCI dont on dépend, il faut justifier de 14 heures de formation chaque année. Petit rappel essentiel. Merci à tous les deux. Merci Charlotte. Bonne fin de journée et à très vite. Merci. Très vite.